Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer un truc super sympa que je n'avais encore jamais utilisé dans mes présentations ou de mes vidéos. Je me demande même pourquoi, parce que c'est vraiment vraiment bien. Ce sont des objets, des animaux, des trucs en 3D animés. Si, si, je vous montre. Allez, on est donc sur une présentation normale. Je vais passer en disposition vide et on va aller dans insertion et ici il y a ce qu'on connaît déjà, les formes, les icônes, smart graphique et ça, modèle 3D. Et oui, modèle 3D, je vous en ai jamais parlé, pourtant c'est sympa. Alors bien sûr, si vous en avez sur votre appareil, sur votre PC, c'est très bien. Moi je vous parle des modèles 3D déjà tout prêts. Donc on clique là, modèle 3D. Et là, on a une panoplie de modèles 3D. Voilà. Je vais vous montrer, par exemple, les animaux animés. On a tout ça. Mais là, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des catégories où il y en a beaucoup plus. Animés pour l'éducation. Voilà. On a aussi les émojis, la chimie, l'anatomie. Alors, on a par exemple les avatars. Voilà, quelques avatars. Alors, vous les voyez comme ça, vous dites de quoi? Oui, bof. Allez, on va regarder les formes par exemple. Les formes. Il y en a pas mal de formes. Elles sont sympas ces formes. Il y en a toutes les couleurs. Hein, sur des fonds plus ou moins foncés. Blanc, rouge, bleu, noir. Donc, on va commencer par quelque chose de classique. Hein. On va commencer par un cube rouge. Allez, on insère un cube rouge. Voilà notre cube rouge. Alors là, vous dites, mais c'est pas un cube, ça c'est un carré. Vous avez raison. En haut, à gauche, là, il y a vue du modèle 3D. Si vous cliquez sur les flèches, là, vous avez les différentes possibilités de voir votre modèle 3D. Dessus, ou sur le côté, ou autrement. Voilà. Vous voyez? Il y a ça forcément de face, on voit rien. Hein? Vous avez beaucoup, beaucoup de possibilités, même de le voir un peu par en dessous. Et donc, nous, on va prendre, allez, celui-là ou celui-là. Peut-être celui-là. Allez, celui-là. Donc, vous voyez, il est bien votre truc, mais animé, animé, c'est quoi ça? Dans ce merveilleux cube, vous allez pouvoir le modifier, le changer de place vous-même avec les petites flèches qu'il y a au milieu. Donc on va le mettre comme il était, à peu près comme ça. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez aussi l'animer en plus. On va ouvrir le volet d'animation. Vous voyez ici, il y a des animations qui sont apparues en plus. Donc on va faire, bah oui, on va le faire arriver. Allez, on le fait arriver. Donc il arrive comme ceci. On peut aller voir qu'il y a les mêmes réglages, donc on va le faire avec le précédent puisqu'il n'y a rien pour l'instant. On va aller dans les options d'effet, le sens à droite ou à gauche ou je ne sais plus. Enfin bon, il y a beaucoup de possibilités pour l'apparition. Pour l'apparition, il y a plein de choses. Au centre de la vue, pour l'axe de rotation, du son ou pas de son, et on estompe ou on n'estompe pas. Et puis il y a le minutage. Combien de temps on veut que ça mette pour tourner? Alors là, on a mis 1 seconde, on va mettre 2 secondes par exemple pour bien le voir. Voilà. Et puis, eh bien, ça nous a plu, alors on va rajouter une animation. Alors là, on voit qu'on a la possibilité pour ce cube 3D de faire une rotation. Donc on va lui faire faire une rotation totale. Voilà. Commencer après le précédent. Ensuite, on va aller voir les options de l'effet. Alors là, vous voyez qu'il a mis démarrage en douceur. Non, non, nous on veut un démarrage au moment où on l'a demandé. Point. Ensuite, on a le minutage. C'est important le minutage. Là, il nous a fait un tour extrêmement long. Nous, on veut le mettre lent, mais quand même pas extrêmement long. Donc, on va faire OK.
Et voilà, on voit notre cube qui va un petit peu plus vite. C'est quand même beaucoup plus sympa. Ensuite, alors, est-ce qu'on rajoute une animation? Ah oui, j'adore. Alors, on peut le faire se balancer. Aller d'un côté, puis de l'autre. Et puis d'un côté, et puis l'autre. Bien sûr, comme pour toute animation, il faut régler après le précédent. Option d'effet, on veut que ça démarre juste après le précédent. Et on veut 5 secondes. Et si on faisait plus rapide? Allez, 3. Voilà, ça se balance. Ça donne quand même autre chose à notre cube, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors une autre, on a dit qu'on pouvait le faire sauter. Eh bien, on va le faire sauter. Hop là, il saute et il tourne. C'est top, non? Ça doit être bien dans les présentations. Centre de l'objet, le minutage, c'est bon. OK. Maintenant qu'on a fait les réglages, on va regarder là notre joli cube du début à la fin. C'est vrai que ça doit être très sympa dans une présentation ou une vidéo d'avoir un objet comme ça qui tourne dans tous les sens et qui est en 3D. Donc il apparaît, il tourne, il saute, et voilà. Et maintenant, peut-être qu'à la fin, on va rajouter une animation qui est le départ. Et ils font. Bien sûr, on va le faire après le précédent, parce que si on le met en même temps, il va disparaître, on ne verra pas l'effet précédent. Les options d'effet, l'intensité, là à droite, aucun son. On peut rajouter un son, hein, par exemple. Aspiration. Voilà, donc on aura ça sur notre image, enfin pas sur notre GIF, parce que sur le GIF, il n'y a pas le son, sur notre vidéo. Et une fois qu'on a fait disparaître celui-ci, on peut en rajouter un autre. Bon, moi, je vais vous prendre une nouvelle diapo pour vous montrer un autre objet en 3D, parce que ce qui est intéressant, c'est que dans les modèles en 3D, vous avez aussi des animaux, des jouets, l'espace. C'est quand même bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre... Tiens, un robot. Un petit robot rouge et noir. On insère notre robot. Voilà. Il faut savoir que nos images en 3D, comme ça, elles sont en PNG. Enfin, elles sont en transparence. Donc, on peut les mettre sur n'importe quoi. Alors ici, par exemple, nous avons cette possibilité, celle-ci, de dos, de côté, par en dessous, et toutes les autres en étant devant, au-dessus, en dessous, etc. Vraiment, c'est vraiment pas, moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors, c'est vrai qu'en fonction de l'endroit où on veut le faire aller, on va peut-être le faire commencer comme ça ou comme ça. On va prendre celui-là, puis on va le mettre ici, notre robot. On va le mettre plus bas. On va y mettre en fond une image qui nous intéresse dans la photothèque. On va prendre ça comme fond. Voilà. Donc, on va peut-être du coup le mettre un petit peu plus bas, un peu plus petit, parce que là, il est quand même beaucoup trop grand par rapport à ce qu'on veut faire. La mise en forme de l'arrière-plan, on ferme et on va aller dans animation. Sur notre petit bonhomme, on va le faire arriver comme tout à l'heure. Donc, avec le précédent et les options d'effet, moyen, droite, hop, une seconde, c'est pas mal. Les effets, alors à droite ou à gauche? Gauche, on va regarder. Voilà, pas mal comme ça. Ensuite, on va rajouter une animation. Et on va le faire sauter. Hop, là il est prêt à battre tous les autres robots qui vont être sur cette planète. Et ce robot, on va le faire avancer. Donc on va ajouter une animation. Et là, on va prendre une animation habituelle. On va prendre la ligne. Alors là, forcément, la ligne ne va pas du bon côté puisque nous, on veut que ça aille comme ça. Non, le contraire, le contraire, le contraire. À droite, on veut que ça aille à droite.
Hop, voilà. Donc là, on va prendre notre truc et on va le mettre jusqu'ici. Voilà. On va le faire démarrer, bien sûr, après le précédent. Et on va regarder les options d'effet. Donc, bien sûr, on enlève tout ça. Ici, 2 secondes. On va en mettre lent, 3 secondes, parce qu'il est quand même sur une autre planète. Et je crois que même 3 secondes, c'est trop rapide. Donc, on va aller dans le minutage et on va lui mettre 5 secondes. Voilà. Et arrivé là, on va lui donner une nouvelle animation. Donc là, on va le faire tourner. Donc on va regarder ce que ça donne déjà, ce qu'on a préparé. On a le petit robot qui arrive, prêt à combattre. Il va jusque là. Et là, il tourne, il explore, il regarde ce qu'il se passe un petit peu partout sur cette planète. Et maintenant, on va lui ajouter une dernière animation, balancement. Après le précédent, et on va regarder les effets de l'animation. Donc là, pareil, on enlève le minutage. 5 secondes, nous on veut rapide, 2 secondes, hop. Et on va le faire disparaître. Il s'en va. Après le précédent, donc hop, après le précédent. Et on va faire encore les options. Droite, pas de son, minutage. C'est bon, on revient là, on va y mettre du son. On va y mettre bombe. Bombe, ok. Voilà. Donc si nous regardons notre petit bonhomme en entier, il saute, il avance sur la planète, il tourne pour mieux voir tout ce qui se passe sur cette planète qu'il ne connaît pas. Et là, il regarde à droite, à gauche et il disparaît. Et voilà, il a disparu dans l'atmosphère. Bon, vous voyez que ce sont des animations qui sont très sympathiques et que ce serait vraiment très dommage de ne pas les utiliser, surtout qu'il y en a vraiment beaucoup et dans tous les sujets. Alors, mettez de l'animation dans vos présentations et dans vos vidéos. Je vous assure que ça va être beaucoup mieux. Je vous ferai une autre présentation, là où je ferai une vraie présentation avec des objets animés pour vous montrer la différence entre une présentation non animée et une avec des objets 3D animés. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Surtout, pense à t'abonner, pose tes questions ou laisse un commentaire et puis clique sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications des prochaines vidéos. À très vite !